Julie, transparent. Transparent. Laetitia, face mondaine. France mondaine. Corinne, des ailes. Des ailes. Séverine, éphémère. Éphémère. Laurence, au vent. Au vent. Sacha, fragile. Fragile. Si un mot dit, c'est pas grave. Hein. Il peut y avoir les mêmes mots plusieurs fois. Muriel, coco. Coco. Martin, léger. Léger. Marianne, rêve. Rêve. Valérie, transparent. Transparent. Malice, fragile. Fragile. Claire, lumière. Claire, lumière. Lumière claire. Solène, poétique. Poétique. Nathalie, fluide. Papillon de verre, fixé à la fenêtre, ton vol s'est figé. Et si tu veux t'envoler, les chaînes, tu dois délier. Schmetterling aus Glas. Am Fenster angekettet ist der Flug erstarrt. Entretenez ça dans l'idée vraiment de la résonance. Vous résonnez les uns avec les autres. Angekettet ist der Flug erstarrt. Deine Flügel schwingen nicht, lösest du die Fesseln nicht. On a ce bourdon en quinte qui est entretenu par un vibraphone et par un violoncelle. D'accord?
Donc c'est simple, ça peut être joué par des élèves, des grands élèves, l'école de musique. Et puis les enfants qui par-dessus font cette improvisation sur les objets pour évoquer le papillon. Et puis ensuite commence cette formule, d'abord chuchoter, ensuite parler, ensuite chanter. Et la mélodie elle est extrêmement simple. Je l'ai joué tout à l'heure, quelqu'un s'en souvient ? Pour la mémoriser. C'est simple, il suffit de marcher, tout le monde sait marcher. Voilà. Alors évidemment, ce qui arrive souvent dans ces situations-là, et youpi tralala. Un des aspects, moi, dans les propositions, c'est que c'est l'espace. C'est-à-dire que tout dépend de dans quel lieu on travaille ça. C'est-à-dire si on travaille ça comme à Bourgoin, par exemple, une école où j'ai travaillé d'un côté l'autoroute, de l'autre côté la voie de chemin de fer, et en même temps les récréations tournantes, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de silence, je pense que c'est très difficile ça. Mm-hmm. Alors, la deuxième chose, c'est que moi je rapproche ça beaucoup de papillons du Japon, pas à cause des papillons, mais à cause de cette ambiance qui est à la fois très simple, comme tu le disais, mais en même temps pas simpliste, c'est à la fois très, parce que c'est sobre, c'est-à-dire que c'est les purs. C'est comme dans la chanson du clown de Gianni Esposito, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, il y a deux notes. On est vraiment dans les purs les plus complètes. Oui, en fait c'est ça. C'est-à-dire que cette partition elle tient par le climat. Donc la vraie exigence, enfin peut-être pas la difficulté, mais par exemple, on l'aurait fait maintenant que je me suis tout à l'heure. Eh bien, je cite John Cage, si un bruit vous dérange, écoutez-le. Voilà. Bah, on peut faire un papillon qui serait ici, il volerait quand même. Tu ne fais pas papillon du Japon, ou papillon vert, enfin, dans un gymnase avec 500 personnes, que les des villes. Avec les petites filles qui arrivent avec des ailes de papillon rose, j'ai vu ça. Et j'avoue que je n'avais pas imaginé ça comme ça, mais voilà, ils étaient contents. Bon, Margrethe, on vient de voir un atelier que tu as mené sur une partition que tu as écrite, et je pense que ce serait bien de nous en dire un peu plus sur l'origine de cette pièce. Comment elle est venue et pourquoi ? Comment elle est venue et pourquoi cette pièce ? En fait, à l'origine, il y a donc ce poème, ce haïku, écrit par mon père, qui était un poète, je dirais, à ses heures perdues, à l'origine instituteur, directeur d'école. Il était même directeur d'école, c'est ça. C'est ça. Et, en Allemagne. En Allemagne, avait fait des études musicales aussi, Ravensburg. Et c'est au moment de sa retraite qu'il s'est mis à écrire des poèmes, à suivre des ateliers d'écriture, etc. Et je me souviens que sur les essais, les multiples essais qu'il a faits, il disait toujours, en fait, ce sont les formes les plus condensées, les plus courtes, qui sont les plus difficiles à réaliser. Donc le haïku, pour lui, c'était un peu le sommet de la poésie, quelque part.
Et quand il arrivait à en faire un, c'est qu'il y avait passé beaucoup de temps. Alors toi, tu as pris un de ses poèmes, parce qu'il les a édités, il en a fait un recueil. Il les avait édités, oui, tout à fait, dans un recueil. Et puis, quand j'ai eu cette commande de composition, je me suis mis à la recherche de poésie qui soit immédiatement traductible, enfin, qui puisse avoir le même nombre de pieds, les mêmes accents toniques dans une langue et dans une autre. Et c'est très compliqué. Et ça donnait Papillon de verre. Ça donnait Papillon de verre, parce que là, ça marchait bien. Et en allemand, Schmetterling aus Glas. Et en fait, voilà, ce papillon de verre, c'est un objet qui existe. C'est un objet réel qui est en verre, dans un cadre métallique, tu vois, c'est à peu près cette taille-là. Voilà. Qui est suspendu à sa fenêtre, dans son bureau. Et c'est un objet donc, que j'ai vu souvent, et surtout que j'ai entendu aussi teinter. À chaque fois que la fenêtre était entrouverte, il y avait une espèce de balancement de ce papillon contre la vitre, et ce cadre métallique et cette petite sonorité, je l'ai toujours dans l'oreille. Et un jour, je découvre ce poème, je vois ce haïku. Et c'était un peu la surprise, parce que ça me l'a fait voir d'une toute nouvelle façon. Et si tu veux t'envoler, tes chaînes, tu dois les lier. Je n'avais jamais pensé comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui me parlait, qui m'inspirait à la fois sur le plan de ce que ça raconte, et puis aussi sur le plan sonore. Et puis c'est un très bel objet, qui très transparent, qui capte la lumière avec un peu de couleur, une couleur un peu rouge, tu vois. Et alors, la musique, question que se posent les enfants. Oui. La musique, elle vient comment dans la tête, dans l'esprit, sur un papier, sur je ne sais quoi. La musique, elle vient comment? Si on savait. Elle est venue surtout, je dirais, en suivant justement déjà la mélodie du langage. Je parlais d'accent tonique tout à l'heure. À un moment donné, une phrase qu'on se répète, qu'on rythme, à un moment donné, de façon un peu incantatoire, elle prend un rythme, il commence à y avoir une petite ligne mélodique qui s'esquisse. Après, sur le choix des timbres, je parlais de transparence tout à l'heure, je voulais que ce soit vraiment très épuré, très minimaliste à la limite. Et du coup, l'idée des timbres, mon frère jouait du violoncelle, il n'a pas eu de hautboïste dans la famille, mais ça fait rien, enfin, j'avais envie de ce timbre-là. Et puis c'est ce côté des petites percussions, tu vois, la suspension, résonance, c'est ça qui m'est venu assez vite. Et un univers, je dirais, harmonique, assez simple, toujours fidèle à cette idée minimaliste, je dirais, haïku, condensé, peu de choses, peu d'éléments, mais... Et tu l'as monté plusieurs fois avec des enfants? Oui, j'ai surtout vu monter par d'autres musiciens intervenants. Parce qu'à l'époque où je l'ai écrit, j'étais déjà passé à d'autres fonctions. Alors, ce qui est intéressant, c'est de l'avoir vu plusieurs fois. Est-ce que les démarches ont été similaires ou est-ce que tu as vu des approches différentes selon les personnalités des musiciens intervenants ou selon la situation des classes ou des âges d'ailleurs peut-être? Ben oui, à chaque fois c'était différent, effectivement. Alors une constante parce qu'à chaque fois que j'avais l'impression que l'œuvre était bien comprise, bien interprétée, mais à chaque fois que j'ai eu aussi des surprises, tiens, j'aurais pas eu l'idée de voir ça là-dedans. Ça dépend effectivement des musiciens intervenants, de leur sensibilité, ça dépend aussi des classes, ça dépend des enfants, des enseignants aussi, ce qu'ils en font. Une fois, il y a eu un élevage de papillons dans la classe, ce qui m'a quand même pas mal surpris. Ils avaient cultivé de la chrysalide jusqu'à l'éclosion du papillon. Bon. Voilà, donc ça c'était une belle surprise. Et puis aussi, une classe qui a décliné le mot papillon dans toutes les langues qui étaient présentes dans la classe, 19. Et je me rappelle, papillon en turc, c'est kelebek. Et est-ce que dans tout ce que tu as vu, est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent finalement primordiales ou inversement, que tu ne souhaites pas adopter pour une approche ou une appropriation par les enfants de cette pièce?
À un moment, j'ai mis une indication sur une interprétation un peu chorégraphique. Si ça se fait, et je l'avais mentionné, je préfère que ça se fasse avec une chorégraphe, un chorégraphe un peu expérimenté et qui soit plutôt dans une lignée, je dirais, d'art contemporain. Parce qu'il m'est arrivé de voir un jour arriver des enfants avec des petites ailes de papillon dans le dos, limite tutu, et là je me suis dit, on n'est pas vraiment dans l'esprit de ce que j'avais... Enfin, dans mes intentions, mais après je peux l'accepter aussi parce que c'était leur façon de s'approprier la chose. Non.